Je sors ma famille. Et c'est mon premier vlog à moto. C'est mon premier vlog tout court en fait. J'ai peur que le son est pas trop dégueulasse parce que pour l'instant on fait encore des tests. C'est un vlog test moto. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça faisait longtemps que moi j'avais envie de faire des trucs comme ça. Alors j'espère que vous avez bien aimé. Aujourd'hui on est dimanche. Il fait bien frais parce qu'on est en janvier. Et on a juste décidé de faire une petite balade à moto et de se filmer. Alors moi je suis encore déboutante. Donc soyez pas trop dur avec moi, je vais encore un peu dompter ma moto. Ce qui est génial c'est qu'au moment où je commence à filmer et où je commence à faire le vlog, il y a une piston qui passe. Tout ça c'est pas un signe quand même. Donc ici on a deux Ducati Monster 821 qu'on a acheté d'occasion qui avait 5000 km. Donc, ça fait genre un mois que j'ai mon permis. On essaye de rouler le plus souvent possible, ça commence à venir petit à petit. Et donc là on est en mode touring, il y a encore un mode après plus puissant, mais c'est des motos qui font 120 chevaux je pense. C'est des deux cylindres. Et c'est hyper sympa. Franchement, jusqu'à maintenant on est vraiment content d'être là. Maintenant c'est clair que c'est pas des motos spécialement faites pour l'hiver quoi. Là on est content parce qu'il fait, pour une fois il fait un peu sec sur la route, il fait pas chaud mais il fait sec. Et ça fait du bien. Sentez un petit peu de parfum madame. C'est important de sentir bon. C'est parti. Des pressions qu'on devait mettre en hiver, etc. Mais comme c'est nos deux premières motos de ce type-là, ben on n'est pas absolument sûr. Si vous avez des conseils... Ouais, je tourne doucement, je sais. Je sais. Ah, c'est joli par ici. Le château de l'Aïe. Sympa. Ouais, mais dis, si tu m'enduis en erreur et tout, après les gens ils vont me dire non, c'est pas le château de la Hulpe, c'est le château du lac de Genneval. Bon, Greg s'est trompé, c'est le château du lac de Genneval, pas le château de la Hulpe. Ah, parce qu'on n'a pas le droit de publier quand Greg se trompe. Hein. C'est joli. C'est chouette petite route par ici. Hein. Plus sympa que d'aller dans le centre pour faire des courses. Ouais, parce que depuis qu'on a les motos, même les grosses courses, on les fait à moto. Alors je vous dis pas, hein. Vous calculez ce qui rentre dans le sac à dos ou pas. C'est hyper pratique. Mais bon, d'un autre côté, on a vraiment envie de faire des kilomètres avec les motos. Alors on est un peu comme ça, on est des vrais gosses. On a un nouveau jouet et on est hystérique dessus pendant au moins quelques mois. Mais là, j'ai l'impression que ça va durer parce que moi, je vraiment pris au jeu, j'adore ce que je suis en train de faire. Bref, c'est gosse quoi. Ce serait cool si vous me disiez en commentaire, bah d'abord si vous aimez bien le format, mais évidemment au fur et à mesure, si jamais je fais d'autres vidéos, je vais m'améliorer, hein. Je vais faire des trucs de plus en plus cool. Mais je pensais aussi faire des vidéos pour répondre aux questions des gens qui me suivent. L'essentiel de mes followers pour l'instant c'est Instagram et Facebook. Et j'ai souvent des gens qui me contactent pour me demander par exemple comment j'ai fait pour devenir pilote de course, ce que ça fait d'être une femme dans un monde d'hommes et ce genre de choses. Et j'avoue que je suis un peu paresseuse et que je réponds jamais vraiment de façon très exhaustive. Mais par contre je ferai bien une vidéo pour vous l'expliquer si ça vous intéresse. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus... un peu moins vlog quoi, un peu plus réponse aux questions et tout. Et puis voilà, peut-être que je le ferai, ça peut être sympa. Oh c'est stress. Sans mettre le pied à terre.
est dans une école de grec. Les petits bruxellois, ils viennent à l'école ici. On n'avait pas de trucs comme ça dans mon école à moi. Ah, je vois la piscine et le mur d'escalade. Pauvres petits gamins qui viennent à l'école ici. Hein. Le tennis. Du tir à l'arc. Non, de chute. À Liège, on ne fait pas du tir à l'arc à l'école. Hein. Oh, le tir à l'arc. Ouais, mais bon, c'est pour le bloc que je dis ça. Plus si vous voulez que je fasse d'autres trucs aussi comme on en a parlé avant. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles aventures.